Les petits pensionnaires de la case des enfants ont reçu la visite de Son Altesse Royale, la princesse Lala Salma, reine du Maroc, accompagnée de la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, et des ministres Kandia Kamisoko Camara et Afousiata Bamba Lamine. Les 56 enfants de ce centre créé par Madame Dominique Ouattara ont gratifié leur hôte de marque de pas de danse du riche patrimoine culturel ivoirien et ont offert un beau tableau à la princesse Lala Salma qui leur a manifesté toute son affection. Après la visite de la case des enfants, le cortège de la reine Lala Salma a pris la direction du CHU de Trècheville, précisément le service d'oncologie pédiatrique, où sont traités les enfants souffrant de cancer. Son Altesse Royale, la princesse Lala Salma, a fait parler son cœur de maman. Elle a consolé chacun des enfants hospitalisés en leur offrant de nombreux cadeaux et apporté son soutien aux parents ainsi qu'au personnel médical. La princesse Lala Salma, devant tant de souffrances, a fait un important don de médicaments au centre d'oncologie et annoncé le projet de création d'un centre d'hébergement pour les parents d'enfants malades pour que ces derniers puissent rester auprès de leurs enfants dans un cadre approprié. La première dame de Côte d'Ivoire a offert à son tour 10 lits avec matelas, 2 réfrigérateurs, 2 splits et du matériel médical au centre pédiatrique. Rappelons que le centre d'éveil du service d'oncologie a été entièrement réhabilité et équipé par la présidente fondatrice de Children of Africa.